Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed. Op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Als je met één of meerdere Trédunor trekpaarden wilt beginnen, dan adviseert Cyril Contesie om de zoektocht niet alleen te beginnen. Neem iemand mee met verstand van paarden die weet waar je op moet letten. Voor Cyril, die zelf zeer begaan is met genetica en de rasstandaard, komen bij de aankoop toch ook het karakter en de opvoeding van het paard op de eerste plaats. Bonjour, je me présente Cyril Contesse, éleveur Trédunor, étalonnier et utilisateur. Donc les chevaux à la maison, ils travaillent tous, à part l'étalon qui sert pour les saïko. Donc voilà, j'ai deux juments poulinières à la maison, plus une autre jument qui travaille, plus l'étalon et un poulain d'un an qui va commencer à travailler cet hiver, quoi. Voilà. Si quelqu'un veut commencer avec un Trédunor, déjà, il faut quand même la structure, la place, du terrain, il faut au moins un hectare de pâture. Et après, on peut commencer à regarder pour acheter l'animal. Parce que il faut savoir qu'un Trédunor, ça mange comme une vache, quoi. Donc, il faut de l'herbe à manger, hein. Il faut de la surface, quoi. Un hectare de pâture. Voilà, voilà. Et après, on peut envisager d'acheter une pouliche ou un hongre ou un poulain mâle, quoi. Tout dépend de l'utilisation qu'on veut en faire, quoi. Soit de l'élevage, de l'attelage ou de l'étalonnage aussi. Plein de choses, hein. Ou même monter, hein. Le Trédunor se monte assez bien. Le syndicat, c'est où il y a des poulains à vendre, ou des pouliches, ou des chevaux qui travaillent déjà. Donc le syndicat va déjà aiguiller la personne chez qui aller. Et donc voilà, quoi. On a une nouvelle secrétaire qui est très bien, qui explique bien, qui sait tel éleveur à tel poulain, tel éleveur à tel poulain. Parce que nous, quoi, étant éleveurs, on renseigne aussi le syndicat. Sur les naissances, sur les chevaux qu'on a à vendre. Donc elle sait, et puis après elle aiguille les personnes sur les éleveurs à aller voir, quoi. Ouais, ouais. Quand on connaît pas quand on vient pas du domaine, quand on connaît pas le cheval, vaut mieux être accompagné d'une personne qui connaît. Il y a des choses, quand on va acheter un cheval, il y a des choses à regarder, comme dans les fanons, voir s'il n'y a pas de problème de boutons. Après, dans le type aussi, quoi. Moi, je suis beaucoup aussi génétique, alors je regarde le standard de race, c'est très important pour moi. Et les aplombs aussi, un cheval qui marche droit. Et le tempérament, surtout. Parce qu'un cheval qui a un mauvais tempérament, on va vite à l'accident. Ça, c'est... Et comment il a été éduqué aussi. Voir s'il n'y a pas eu d'erreur, si c'est pas un cheval qui est vendu parce que justement il a fait telle bêtise ou telle bêtise, quoi. Il y a beaucoup de choses à voir, quoi. Ouais. On dit toujours, il n'y a pas de mauvais chevaux, il y a toujours des mauvais meneurs. Donc la base, c'est comment il a été éduqué au départ. Après, il y a le tempérament du cheval aussi. Si on élève avec des chevaux avec un mauvais tempérament, on aura des poulains et des poulains avec un mauvais tempérament. Quand on est éleveur, on doit regarder à beaucoup de choses. Et le tempérament, ça fait beaucoup. Il faut avoir des juments et des étalons avec un bon tempérament. Et là, on arrive à sortir des poulains avec des bons tempéraments. Et je vous dis, après, tout démarre, le poulain, 2-3 jours, il faut commencer à le manipuler, il faut lui montrer beaucoup de choses avant de l'atteler pour éviter les accidents, pour éviter qu'il ait peur des voitures, des plaques d'égout, des tout ça, quoi. Il faut pas hésiter, tant qu'ils sont petits, à leur montrer le plus de choses possible. C'est là qu'on a moins de mal. Une fois qu'ils grandissent, si jamais ils sont restés dans le fond de la pâture et puis ils n'ont jamais rien vu, une jument de 800 kg, elle va vous embarquer et puis basta, quoi. Et une fois qu'une jument a commencé à embarquer, elle embarquera quasi toujours. Donc il faut prendre ses précautions et bien éduquer les poulains au départ et bien élever aussi.
Moi déjà, c'est mon patrimoine. C'est la race locale. C'est donc moi, mes traits du Nord, ils me donnent, donc je leur donne. C'est tout simple. Et mes oncles, il y a eu des traits du Nord dans la famille. Après, j'ai un copain qui m'a tout appris, un copain qui a 86 ou 7 ans, là, Monsieur Tassou, et il m'a tout appris, et c'est qui avait des très bonnes origines. Donc moi, j'ai ses origines. Et moi, mes traits du Nord, je ne saurais pas m'en passer. Je vous dis, moi, j'aime bien la génétique. Donc j'élève ma race tout en essayant de toujours améliorer, d'arriver au top du standard, qui n'est pas facile. On ne met pas un bon étalon avec une bonne jument, un champion et une championne, et on va faire un champion. Ça, c'est fou. Il faut trouver le bon accouplement. Et ça me passionne. C'est la génétique. Et après, j'adore aller à l'hiver travailler dans le bois. J'ai mon copain Romulo qui prend des coupes de bois. On se fait des journées d'ébardage, tout ça. J'adore ça. C'est formidable. Travailler, ça apaise. Le cheval, ça... Même quand on n'a pas trop le moral, on va dans ses chevaux et puis tout va bien. Ah oui. Bon, après, ça arrive aussi qu'on ait des mauvais poulinages, tout ça, qu'on est un peu déçu. Hein. Ça, c'est la vie de l'élevage. Mais bon, on a beaucoup de plaisir quand même avec ces chevaux-là. Et puis, regardez, aujourd'hui, là, on est au national. On est une bande de copains, on se regroupe tous. On parle chevaux, on parle chevaux, t'as eu quoi comme poulain, tout ça, c'est... Le Trait du Nord, c'est une grande famille.